Mesdames et messieurs les jurés, chers publics, bonjour. Vivre, voici la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre. En naissant, nos parents nous promettent un avenir, des rêves ou encore des passions. Pourtant, certaines personnes ont moins de chance. Un autre mot maintenant, guerre. Oui, je vais vous parler de ce mot qui sonne si dur dans nos oreilles et qui a volé la vie de tant d'hommes avec un grand H. Je vous parle là d'un casque, troué par les obus. Mais aussi d'un homme mort pour sa patrie, pour défendre les siens. Un homme qui pensait être protégé et qui, lors d'un combat, a perdu la vie. Durant la Première Guerre mondiale, des milliers d'hommes sont envoyés au combat et une grande partie n'en reviendront pas. Des milliers d'hommes, pourtant tous égaux. Des milliers de familles, dans l'attente de revoir un jour leur père, leur fils et leur mari. Et ceux qui ont eu la chance d'en revenir en sont restés meurtris. À la fin de cette guerre, une vingtaine d'années se sont écoulées. Et celle que l'on appelait la « der des der » a laissé place à une seconde guerre mondiale. Oui, une seconde. Comme si une seule n'avait pas suffi. Je vous parle du passé. Seulement, après le passé, vient le présent, puis le futur. Car oui, aujourd'hui, la seconde guerre mondiale est terminée depuis bientôt 75 ans. Mais de nombreux conflits s'enlisent partout dans le monde, sur tous les continents. En Syrie, par exemple. Chaque jour, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants fuient leur pays, leur terre natale et tous leurs souvenirs d'avant-guerre. Ils migrent vers d'autres pays, vers l'Europe, là où ils souhaitent mettre à l'abri leurs enfants et tous les aides qui leur sont chers. Malheureusement, les pays européens n'ont ni la place ni les moyens financiers de les accueillir. Certaines personnes sont contre leur accueil. Comme une grande partie d'entre vous, je suis pour accueillir ces personnes qui fuient la guerre, les bombes et la mort, tout simplement. Oui, je suis pour les accueillir, mais je n'agis pas, par peur, par lâcheté et par égoïsme. Je voudrais finir avec un dernier mot, paix. Partout dans le monde, des peuples se révoltent, des peuples se défient, au nom d'une croyance, d'une liberté. Je sais que nous n'obtiendrons jamais une paix totale, mais j'ai 14 ans et j'ai confiance. Oui, j'ai confiance en ma génération et en toutes celles qui vont suivre. Et je sais qu'ensemble, on peut avoir un monde meilleur. Et j'espère que ce casque, troué par les obus, ne sera qu'un souvenir et n'appartiendra qu'au passé. Merci.